aujourd'hui, je me suis réveillé, je me suis dit, on va se faire un petit Monday motivation. Une petite vidéo, tranquille. Voilà, je me suis réveillé, je suis parti à la salle direct avec la caméra. Bon, j'ai pris un petit déj léger, hein. Enfin, léger, c'est des crêpes au Nutella, tu vois. Bon, là, je sais que j'ai pas le droit, mais avec la Chandeleur et tout, là, tu vois, je me prépare à l'avance. Comme ça, j'entendrai plus parler de ça après. Bon, pour moi, tout ce qui est Chandeleur, Galette des Rois, et je sais pas quoi, les fêtes grasses, c'est 2-3 semaines pour moi. Bah oui, parce que je peux pas faire un seul jour. Eh, je peux pas, c'est pas possible pour moi. Pour revenir au sujet, la vidéo a pour but de revenir sur le format que j'avais fait pendant que j'ai commencé ma chaîne YouTube, le format qui a plu. Le format où voilà, je suis là, je fais un programme et je t'explique ce que j'ai fait avec mes temps de repos, les séries et tout. Parce que là, je t'ai balancé des vidéos avec mon gars, là, je t'ai rien dit du tout. Là, je t'ai juste montré du contenu. Mais là, on va prendre le temps, on va se poser, je vais te dire ce que j'ai fait, tu vois. Et je pense qu'on va faire ça jusqu'au salon du fitness, parce que le salon du fitness, ah, c'est là où ça affiche des préparations, là. Il y a des gens, ils font des programmes spécial salon, tu vois. Et on va faire un truc comme ça, nous aussi. On va arriver shape énervé au salon. Bah oui, il faut. Et là-bas, il y a les caméras, il y a tout, il y a les sponsors. Tu peux démarcher des sponsors, démarcher des gens. Non, franchement, là-bas, là, c'est une grande opportunité pour tous les sportifs qui veulent avoir des partenariats, des contacts. Mais aussi pour découvrir tes youtubeurs, pour voir si t'es plus balèze qu'eux. Voilà, tu vois, c'est ça qu'il faut voir. En plus, là, je suis arrivé à un moment où j'aime bien mon corps, tu vois. Je m'entraîne, je vois mon corps, je me dis, ouais, je suis satisfait. Je suis plus comme avant, je me disais, putain, faut que je gonfle un peu là, je gonfle un peu là. Bon, je me le dis encore, tu vois. Mais moins souvent qu'avant, là, j'aime bien mon corps, je me dis, ouais, là, je suis prêt. Je suis prêt à être encore plus énervé, tu vois. Bon, après, quand j'arrive dans le miroir, je me tape pas un wagon sur mon corps. Non, je suis là, je regarde juste, j'analyse, tu vois, une petite analyse. Je me dis, ouais, ça va, les trapèzes sont bien. Donc, je pourrais devenir énervé là pour 2-3 mois là. Bon, le programme que j'ai fait, il est simple, il est chill, il est tranquille. Eh, c'est pas un programme en mode, lundi, pec, nanana. Non, là, c'était un Monday motivation. C'était plutôt chill, plutôt tranquille. En plus, j'ai mangé des crêpes le matin, donc voilà. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais me faire plaisir au salon d'entraînement. Bon, je vais me faire mal, mais en me faisant plaisir aussi. Donc, j'ai commencé par du rameur. Le rameur, et ça, c'est un exercice. Franchement, avant, je le faisais, j'ai arrêté, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Mais c'est un très très bon exercice pour s'échauffer. Quand je fais une séance en faisant du rameur juste avant, 10-15 minutes on va dire, après je suis au top pour faire des bonnes sensations et aussi tu limites le risque de blessure parce que le rameur ça te chauffe très très bien. Parce que tu peux t'échauffer avec des charges légères, nanana, mais moi je m'échauffe toujours maintenant avec un peu de rameur et en charge légère. Enfin, rameur quand je fais le haut du corps, pour le bas du corps, je fais un peu de vélo ou autre chose, mais on verra ça. Après, pour moi, 10-15 minutes, c'est très important pour le rameur. Parce que, oh là, oh, je pense que tu te bousilles trop après. Parce que, faut pas que tu t'épuises trop non plus pour ce qui va arriver juste après. Et nous, notre but, nous, c'est de devenir des monstres, des warriors. Moi, tu vois, je veux pas un physique marathonien ou je taffe pas le cardio. Moi, c'est pas le cardio que je veux faire. C'est juste m'échauffer pour me préparer à la destruction finale. Tu vois, c'est juste ça. Bon, après ça, j'ai fait du développé incliné à la barre. Bon, cet exercice-là, je le kiffe. Parce que ça taffe le haut des pecs et le haut des pecs, on le sait tous, retard, tout le monde a du retard sur le haut des pecs. Donc moi, je le taffe tout le temps quand je fais les pecs. Haut des pecs à chaque fois, limite deux fois, je fais des séances que haut des pecs. Donc j'ai fait ça, barre à vide, tranquillement, je me suis chauffé. Peut-être j'ai dû faire 15-20 reps en échauffant parce que je m'échauffe maintenant tout le temps en musculation, tout le temps, deux fois, que ce soit en rameur, charge légère, barre à vide, je m'échauffe. Il faut pas avoir de honte à chauffer. Même si ton corps il demande de la charge, prends ton temps, échauffe-le bien avant de commencer. Je m'échauffe, après je prends les 10, après je mets des 20, tu vois. Et bon, là, à partir de 20, là, on arrive déjà à la pré-séance, tu vois, tranquillement. Donc voilà, comme je disais, dès que je mets les 20, je commence directement à faire la vraie séance, le superset, avec élévation latérale haltère. Donc, je fais ma séance de développé incliné haltère. Enfin, développé incliné barre plutôt. Et après, je prends mes haltères. Bam, élévation latérale pour niquer les épaules. Parce que de 1, déjà, moi, en exercice de développé incliné, développé couché normal, mes épaules sont sollicitées un peu. Donc,
Juste après, mes épaules, j'ai détruit avec l'évasion latérale. Sachant que l'évasion latérale, ça, c'est un très très bon exercice pour bien former tes épaules. Donc, juste après ça, élévation latérale. Et pour ça, 5 à 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Juste après ça, je me suis déplacé vers le développé couché normal, à la barre toujours. Parce que tu vois, moi, j'alterne entre barre et halter. Tu peux me voir 2 mois faire que du développé couché halter, 2 autres mois faire que de la barre. Parce que mes pecs, ils sont contents de voir du changement. Je retrouve des sensations que j'avais perdues et mon corps, ça le choque un peu, tu vois. Et les résultats, je les vois. Enfin, j'arrive à les voir. Pas tout de suite, mais avec le temps, j'arrive à voir les résultats. Donc, j'alterne comme ça, barre, halter. Et franchement, c'est du top. Et pour ça, hein, pareil, 5 fois 10 reps avec 1 minute 30 de repos. La 1 minute 30, c'est très important. Après ça, j'ai vu une barreuse de loin. Et je l'ai attrapé comme le marteau de Thor. Je l'ai attrapé, j'ai dit développé militaire directement juste après ça. J'ai envoyé 5 fois direct possible de développé militaire à la barre Z. La barre Z, j'aime bien parce que moi, je la prends en serré vers les plis là. Tu vois, comme ça, je force moins sur le poignet. Et je kiffe. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui disent ouais, moi je préfère droite. Bah, moi je préfère la barre Z. Mon poignet est moins sollicité et je peux sentir toute ma contraction située au niveau des épaules. Et je kiffe. Après, chacun son ressenti. Si toi, tu préfères la barre à droite, fais-le à la barre à droite. Mais moi, la barre Z, franchement, je kiffe. Pour finir, parce qu'il y a un dernier truc. C'était pas compliqué. Hein. C'était pas compliqué, tu vois. Après, ce que j'ai fait avec une barre Z, la barre, je l'ai regardée, tu vois. Elle m'a regardé. Elle savait, tu vois. Elle savait. Elle-même m'a dit, vas-y, va. J'ai envoyé du curl biceps barre Z. Le meilleur exercice. Meilleur exo. Oh, curl biceps barre Z, 5 fois 10 reps aussi. Là, je me suis fait plaisir, j'ai mis un peu plus lourd vers la fin. Et là, tu vois, c'est l'exo qui m'a fait passer une bonne journée aujourd'hui, qui fait que je suis content aujourd'hui. Donc voilà pour mon programme Monday Motivation. Bon, c'est pas un programme ouf, mais c'est un petit programme qui m'a fait plaisir, tu vois. Je me suis réveillé comme ça et je me suis dit, vas-y, on va là à la salle. D'ailleurs, en parlant de la salle, c'est Fitness Park de Pavillon-sous-Bois. C'est une salle que j'aime beaucoup et aussi cette vidéo a été pour but aussi de tester cette salle-là en vidéo parce que je sais pas si tu as vu la différence avec les autres salles, mais celle-là, il y a la lumière du jour qui vient. Et quand il y a la lumière du jour qui vient, tu vois, c'est pas pareil. Tes vidéos, elles ont pas le même impact, tu vois. Et là, j'ai vraiment kiffé l'éclairage, j'ai vraiment kiffé l'ambiance. Après, c'était calme parce que c'était le matin, mais j'ai vraiment kiffé cette salle. Et je pense que beaucoup de vidéos vont arriver dans cette salle-là. Et beaucoup de choses aussi, mais que je peux pas dire dans cette vidéo, que je vais dire dans une autre vidéo. J'espère que tu as aimé ce petit Monday Motivation. Si tu l'as aimé, fais-le moi savoir en mettant un like, un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Merci et bienvenue à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Parce que voilà, j'ai pas sorti de vidéo pendant une petite semaine là, mais j'ai vu plein de gens s'en abonner d'un coup. Et j'ai pas compris. Mon téléphone est en train de vibrer et tout. J'ai mis une notification, j'ai fait waouh. Donc là, je me suis réveillé là, Monday Motivation direct. On verra si demain je vais faire un Tuesday Motivation ou un Leg Day, tu vois. Un Leg Day, tu vois. Putain, Leg Day. S'il y a un rappel bras après, tu vois, ce serait bien, mais on verra. On verra ça. Sur ce, entraîne-toi bien, mange bien, dors bien, et à la prochaine pour la suite.